n'y a pas eu, de ce que nous disent les familles de la victime, d'attitude agressive et violente du père de famille, il n'y aurait pas eu de sommation de la police avant d'ouvrir le feu, et qu'il y avait en tout état de cause, il n'y avait pas une scène de violence telle que les policiers se soient retrouvés dans l'unique possibilité pour se sortir de cette situation que de faire feu. Et il y avait au moins une trentaine de voitures de police, plus trois camions des pompiers. Il y avait au moins 80 policiers pour une personne, pour maîtriser une personne. C'est beaucoup, même moi, c'est beaucoup pour moi. En plus, il était de petite taille, le pauvre. Même s'il avait un couteau ou un ciseau, ils peuvent le maîtriser normalement sans le tuer. Pour moi, il était normal et amical, mais les gens disent le contraire, qu'il était un peu malade mental, ou je sais pas. Je ne l'ai jamais vu en violence. Je l'ai croisé, parfois je le croise devant le parking, mais il sourit, c'est tout, il sourit tout le temps. Franchement, il m'a fait de la peine. Parce que pour le tuer comme ça, ça se fait pas. Ça se fait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait la police française. Et là, dommage pour sa famille.